Yo, ça va ou quoi? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo déjà pour commencer. Aujourd'hui, on est sur le mode In Your World. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et je perds déjà énormément de nourriture. Du coup, ce que je vais faire, c'est d'abord aller massacrer des cochons là. Donc, ça va être un mode horreur un peu plus chill, on va dire. Entre guillemets chill, pour la simple et bonne raison qu'on va pas se bouffer des screamers tout le temps, on va pas se faire aggro tout le temps. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est un mode qui est axé sur l'exploration de notre monde, donc il va y avoir des structures à découvrir, des choses à découvrir, et j'ai très hâte de voir tout ça. Je suis très hype par rapport au mode parce que j'en ai entendu que du bien, et très hâte de découvrir ça avec vous. Bien là, tout first pig kill. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours sur les dernières vidéos. Au vu des likes, des commentaires et des vues, le nombre d'abonnements, vous vous rendez pas compte à quel point c'est énorme pour moi, à mon échelle, on va dire. Donc, merci et continuez comme ça. Franchement, ça me motive encore plus à faire des vidéos, hein, franchement. Donc, ça va changer un petit peu. On va pas aller construire une maison, on va pas faire un enclos, on va pas faire tout ça. Ce qu'on va faire, c'est on va tout d'abord faire un petit stuff de départ, on va dire. Et ensuite, on va partir marcher dans la nature. On va partir explorer. Et comme je vous l'ai dit, j'ai très très hâte. On va se mettre un peu dans une plaine. Déjà, on va aller prendre les moutons là-bas. On va se faire un lit aussi. Pour faire un spawn point. Oh non, le petit mouton. Putain, j'ai plus de bouffe. Faut que je bouffe. C'est vrai que les cerisiers sont très très beaux. Franchement, j'aime beaucoup. Putain, je savais pas que je pouvais zoomer avec avec le mode de mon zoom. Comme ça. Pourquoi pas. On va se faire chauffer tout ça. Voilà, tu crèves, ça c'est parfait. On va aller récupérer un peu de pierre. On va se faire des outils en pierre. Et après, on va aller explorer, moi je vous le dis. Wouhou. Bon, pour l'instant, rien à signaler. On va faire les petits outils en pierre, parfait. Attaque, ça dégage. On va attendre que tout ça cuise. Et après, on va explorer, comme j'ai dit. Avant de commencer aussi, je voulais vous faire part d'une petite idée que j'avais. Est-ce que ça vous chaufferait? Est-ce que ça vous plairait que je fasse une survie, entre guillemets, mi-vanilla, mi-modée? Donc, j'ai rajouté quelques modes assez sympas. Le but, c'est pas de dénaturer le jeu. C'est d'apporter quelques trucs en plus sans le dé... Ok, du coup je disais sans le dénaturer, est-ce que ça vous plairait? Je suis chaud pour faire ça, faire un truc chill, histoire de, comment dire, de souffler un peu avec les modes horreur, histoire d'avoir du contenu supplémentaire. Est-ce que ça vous plairait? Dites-le moi en commentaire. Faire des épisodes par-ci par-là d'une petite survie sympa, où on va faire du build, se créer un monde sympa en fait, tout simplement. Donc voilà, dites-le moi en commentaire et c'est parti. Oh yay. Eh, vous là-bas, on va monter. Moi, je vous le dis, on va monter. Du coup, je vais prendre... Mais ce biome est magnifique. Par exemple, comme je disais, la survie, on va faire une base là-dedans, hein, dans un biome comme ça, hein. Moi, je vous le dis. Donc voilà, donc dites-le moi encore en commentaire et je vous laisse avec ça. On récupère des blocs et on va monter sur cette putain de structure parce que moi, je veux voir ça. Un max de bois, on va se faire un max de blocs parce que la structure est quand même assez haute. Ah ouais, mais c'est sympa, dis donc. Ah ouais. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Je ne peux plus zoomer. Je ne peux plus faire de zoom. Ouais, je ne peux plus faire de zoom. Je ne peux plus faire de zoom. Et je pense que c'est à cause de ce truc-là qui vient de spawn. On va se dépêcher de monter. Moi, je suis beaucoup trop curieux. Je veux voir ça. Par contre, j'espère sincèrement que le mec là en haut, il va pas m'attaquer en fait. J'ai pas envie de crever direct. C'est étrange. C'est très étrange. Mais j'aime beaucoup en tout cas. Ça change des modes avec des monstres qui nous courent tout le temps. Où tu fais que crever ou quoi. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah, le truc a disparu et je ne peux toujours pas zoomer. Bon, on va monter. C'est parti, donc ça va être un peu long. Le mec a despawn, non? Oh, il est parti. J'ai peur que j'ai pas assez de blocs là. Ok,
Donc c'est de la brique. Là il y a une autre structure, mais je pense qu'on va pas y aller. De toute façon j'ai pas assez de blocs pour ça. Ça a l'air d'être similaire, on dirait, je pense c'est de la stone. En tout cas c'est bien, on commence direct, ça c'est vraiment cool. On va faire, c'est qu'on va descendre. Je vais aller récupérer le stuff du portail là-bas. Il commence à faire nuit, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller dormir après, hein, de toute façon, en espérant que je me fasse pas aggro pendant mon sommeil. Mais ouais, c'est rien de spécialement intéressant. On va juste se crafter un lit et on va dormir. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de faire de base ni de maison ou quoi que ce soit. C'est totalement inutile, vu qu'on va juste bouger. Je vais juste prendre ça quand même, ça peut toujours servir. Ah si, je peux zoomer. C'est parce que j'avais... Comment dire, j'ai fait ça au maximum et quand je rezoome, j'ai pas l'impression que ça zoome, alors que si ça zoome. Je sais pas si vous m'avez compris. Par contre, la galère pour remonter, très intéressant en tout cas. Pour être franc avec vous, je me sens pas du tout sous pression, je me sens pas à l'aise en gros, je me sens plutôt bien. Je sais pas, j'ai un bon pressentiment avec ce mode, ça va plus se jouer avec l'ambiance, avec ce qu'on va découvrir. Mais tant mieux en vrai, tant mieux. Par contre c'est très chiant parce qu'on est sur un biome, ce qu'on va faire. Faire un truc très simple. On va descendre sans me casser la gueule. Voilà, parfait. Et on va crafter un bateau. Voilà, et on va partir là-bas. Ah oui, j'ai pas rajouté d'autres modes style Knocker, Herobrine, peu importe. J'ai vraiment mis In Your World, vraiment pour pousser l'expérience au maximum. Parce que je trouve que si on rajoute des mobs qui ne font pas partie du mode, bah personnellement, je trouve qu'on va gâcher un peu l'expérience. Donc j'ai préféré ne pas le mettre. Là, je me demande s'il y a des structures terrestres. Et pas que aérienne, parce que si après je dois que monter à chaque fois, bah ça serait plutôt chiant. Oh! Alors, ça par contre, ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus intéressant. Donc, je disais qu'on avait pu remonter, mais là j'ai envie de monter. Je vous le dis. On dirait qu'il y a des arbres. Ouais, il y a de la terre. Ça me fait penser un peu au skyblock. Donc rebelote, bon ça je vais le couper, mais je vais aller couper du bois. Je vais aller couper un maximum de bûches. Et on va monter. Et je vous reprends dès que on entame la construction. Ok, bon, j'ai tous mes blocs. On va pouvoir commencer à y aller. Déjà, il y a encore cette structure là et je vois qu'il y a des minerais. Intéressant. On va pas se faire chier à aller monter jusque là-bas, hein, moi je vous le dis par contre. Moi ce qui m'intéresse réellement, c'est et relativement haut quand même. Hein. On va partir d'ici, à partir de cet arbre-là. J'analyse aussi un petit peu, comment dire, à droite, à gauche, voir si je vois pas d'autres trucs. Et on va monter. Alors, je sais pas ce que c'était ça là-bas, mais il y a un truc qui a despawn. Moi c'est un cheval. Il y a un truc qui a apparu et qui a despawn. Oh, intéressant. Ouais. C'est très étrange. Hop. On va mettre la render distance au max. Oh. Là-bas on a une structure qu'on connaît pas. J'analyse, hein, je vous le dis. J'analyse. Là-bas il y a encore une structure qu'on connaît pas. Enfin c'est celle-là quoi. On va aller voir ça. Je vais faire un pont pour aller au-dessus de l'eau. On tombe dans l'eau, on va au village, on dort vu qu'il va faire nuit. Et ensuite, on va voir cette construction. On va voir ce que c'est. I see you. Je te vois. Mais qui me voit? Je suis au-dessus de l'eau. Ouais. Bon, c'est parti. On saute, on fonce au village, on dort et on va voir la structure terrestre. Ok, le village est là. Par contre, j'aimerais bien voir qui me voit. Où es-tu? Où es-tu mon ami? Ok, parfait. Nickel. On va prendre des torches. La structure, s'il n'y a pas de lumière à l'intérieur, j'aimerais bien avoir des torches quand même. Ok, c'est parti mon grand, vous voulez voir cette structure le boulot. Bizarrement là j'ai un truc en moi qui me dit de ne pas y aller. Je me dis c'est très étrange. Non. Il y a un truc à l'intérieur. Il y a un truc.
Ouh. Ouais, ah oui. Et en plus il pleut, c'est étrange tout ça. Oh putain, je m'y attendais vraiment pas pour le coup par contre. Ok, donc il y a bien une entité en fait. Mais je pense que c'était le même gars qu'on a vu sur les trucs en l'air là, qu'on avait vu. Il était rouge un peu, il était... Ouais, rouge. Ouais, c'était le même, hein. Donc par contre, il m'a fait mal, hein, il faut faire attention. Mais j'avoue que j'aimerais bien le recroiser quand même. J'ai envie de voir sa tête, j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Parce que... Je l'ai vu, on dirait qu'il était de dos, quoi. Et il m'a foncé dessus à ce moment-là, donc... Bon, on va continuer notre périple, hein. Oh, ouais, il y a de l'orage et tout, du coup, et il spawn. Bon, on va prendre un petit bateau. Aïe. Oh. Je me demande s'il y a également des structures maritimes. On dirait l'ambiance avec la pluie, l'orage et tout. On dirait que je rentre dans une forêt hantée. Genre, il va m'arriver une dinguerie. Qui va peut-être se produire, hein, et j'espère. Hein, moi, de toute façon, je suis là pour ça. Je suis le cobaye. Je suis là pour expérimenter, pour me faire victimiser par tout et n'importe quoi. Il n'y a aucun problème. Venez me victimiser. On va continuer à pied. En tout cas, bon, je me répète encore, mais vraiment, c'est... Je vous remercie encore pour... tous vos commentaires, je les lis tous, et de répondre à tout le monde, je vous réponds à tous, dans la plupart des cas, franchement c'est super, vu des résultats aussi, ça vous plaît réellement en fait ce que je fais, il y a vraiment de l'engouement derrière, des tonnes de messages positifs, du coup je vous remercie, et si vous aimez cette vidéo, si vous aimez mon contenu, si vous souhaitez m'aider aussi, n'hésitez pas à la partager cette vidéo, à en parler, à montrer à vos amis, peut-être qu'ils vont vous plaire. Enfin, peut-être que ça va vous... qui... Je sais plus parler. Enfin bref, vous m'avez compris ce que je voulais dire et franchement, je vous remercie. Ça me motive encore plus à faire des vidéos. Surtout qu'en ce moment, bah, c'est compliqué pour moi personnellement. Donc, j'essaye de m'offrir une chance d'ouvrir des portes avec, avec YouTube. Et le fait de voir que ça marche entre guillemets à mon échelle, que certes les résultats ils sont entre guillemets minimes, mais à mon échelle ils sont énormes, bah ça me motive encore plus et j'espère que ma chaîne grandira au fur et à mesure. Et ça me fait du bien aussi de faire des vidéos, de me faire maltraiter par des mobs chelous. Donc voilà, j'espère que le message vous allez l'entendre et je vous remercie encore une fois. Enfin bref, on va reprendre notre périple. Pour l'instant, bah, je constate rien d'anormal, on va dire. Quand j'avais vu qu'il fallait faire aussi attention au niveau des animaux, des mobs, ils avaient parfois des comportements étranges. Et je trouve que c'est relativement calme, en fait. C'est très calme. Ok, on a croisé des structures aériennes, une structure terrestre. On a... Oh. On a croisé sûrement l'entité du mod. L'entité principale, peut-être, parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et j'aimerais en voir plus, quoi. On a également eu oula, le succès ICU, alors que IC personne, moi je ne vois personne. Oh, ok, bon, on va aller là-bas et on va aller confronter cette entité. Moi je vous le dis, je vais rentrer, je le déglingue. Hein. Il y a pas de gentillesse. Je vais le déglinguer juste avant. On va mettre notre point de spawn ici. Alors là mon gars, ok. On dort, c'est parfait. Comme ça, il fera jour. Et alors là, mon gars. Alors là, t'es pas prêt. Viens là! Viens là! Mais je l'ai toujours pas vu. Mais je l'ai toujours pas vu. Par contre, il fait super mal. Oh, un arc-en-ciel. Dommage. Je voulais voir son visage. Après, ce que j'aime bien dans ce mode, c'est que c'est pas une entité, des monstres, des screamers à tout va. C'est que ça se joue sur l'ambiance. Comme je vous avais dit, les animaux peuvent être bizarres aussi également. En ce sens, je ne vois rien d'anormal, on va dire. Mais après, c'est quelque chose qui me touche moins dans le sens... J'aime bien ce genre d'ambiance un peu mystérieuse et étrange. Du coup, ça me fait pas réellement peur. Et pour ceux qui peuvent être sensibles à ça, franchement, allez-y, installez-le sur votre nom. I'm behind you, hello. Oui, là par contre, oui, ok. J'avoue, j'ai eu des frissons là, pour le coup. Ah, les mobs me suivent du regard. Bon, ils ont arrêté, mais... Effectivement, là par contre, pour le coup, j'ai eu des petits frissons. C'est très déroutant, on va dire. C'est vrai que j'avais des ballots de paille, pas sur du pain. J'ai même pas vu si les villageois aussi m'ont regardé avec insistance, on va dire. Et ouais, comme je disais, j'étais pas
je suis pas super encore une structure là-bas, je suis pas super touché par ce genre de choses négativement, on va dire. Et pour ceux qui aiment ça ou que ça touche, que ça fait peur, que enfin etc, vous m'avez compris, je pense que c'est vraiment cool. On va se crafter du pain. Oh, alors là, mais il y en a deux. Attendez, j'essaie de me mettre face. Oh, ok. Là, pour le coup, ça fait bader, effectivement. Alors là, c'est très bien. Et en plus, ils sont deux. Il a vraiment une gueule... Il est pas très rassurant, on va dire. J'ai pas spécialement envie de... Et si je marque un truc? Hey! Oh? Lui, toi. Hey, y'a un mec, là. Hey, il me suit du regard. Là, j'aime bien, là. Je me sens vraiment observé, pour le coup. Là, j'aime bien. Non, j'aime beaucoup. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais attendre les nouvelles mises à jour du mode. J'espère qu'il y en aura. Et quand il y aura des nouvelles mises à jour, vous inquiétez pas que je ferai une vidéo dessus. C'était un mode très, très, très intéressant. Franchement, comme je vous l'ai dit, si vous aimez ce genre d'ambiance, n'hésitez pas à le télécharger et à aller le tester. C'est vraiment cool. Ça change d'avoir une entité qui vous poursuit H24. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Poussy. Bisous.